comme une légende anonyme déferlant sur le monde, non pas pour le conquérir, mais pour combattre l'immonde, pour mettre à jour la dictature du fric et des médias, pour dénoncer la censure, nous serons toujours là. Nous sommes en mission dans un monde virtuel, pour détruire le projet d'une soumission bien réelle, arpentant internet de telle une conscience éternelle, qui tiendra toujours tête à la mort intellectuelle. Pour la libre pensée humaine, nous aurons flagellé, nous mettrons fin ensemble à ces maudits coups de fouet, nous montrerons à beaucoup ce qu'est la liberté, nous briserons les verrous pour qu'ils puissent y accéder. Nous sommes répartis en différentes sections, à cœur manif ou info, à chacun sa mission, des secteurs d'action mondialistes mais tous complémentaires, pour que l'on puisse enfin remporter cette guerre, menée contre les profiteurs qui étouffent nos droits, qui font que les causes importantes restent dans l'anonymat, tout cela pour remplir un peu plus leurs assiettes, en ne laissant aux autres que de misérables miettes. Ce sont des peuples entiers qui cherchent à diviser, en créant des conflits, en les poussant à s'affronter, une fois dans le fou et trompé, tous deviennent prisonniers, obligés de participer à ce jeu aux règles truquées, où quel que soit le chemin, on finit dans le caniveau, où tout devient à vendre, spécialement notre cerveau. Ils défendent toutes les causes ne servant pas leurs intérêts, ils fabriquent des psychoses uniquement pour mieux nous leurrer. Les citoyens en viennent à nous craindre et à avoir peur, nous pensons terroristes ou encore capables d'horreur. Que ces gens se rassurent, nous bannissons la violence, le respect de nos droits est notre seule exigence. Il n'y a aucun leader chez nous, aucun gourou pour diriger, c'est l'amour de la liberté qui nous a unifiés. Ne vous laissez pas tromper sur ce qu'est notre combat, c'est le non-respect des humains que l'on veut mettre à bas. Les monarques modernes nous disent que c'est de l'homme que vient le mal, que le monde est pourri à cause de l'être humain en général, que le contrôle qu'ils prônent est plus que nécessaire, que sans cette surveillance nous serions déjà tous en guerre. Ils disent à la population que nous sommes un danger immense, mais tout ce que nous faisons c'est de défendre la transparence, faisant notre possible pour informer les gens du pouvoir qu'ils ont accaparé à leur détriment, leurs abus de pouvoir et toute leur corruption. Pour que vous puissiez les voir, nous vous les dévoilerons. Nous ne sommes pas dupes devant autant de mépris, nous ferons front ensemble pour sauver cette oligarchie. Nous sommes légion, nous sommes anonymous, défendant la liberté contre les fous qui la détruisent. Pas de bannière, pas de barrière et pas de doute, nous sommes en guerre, la tyrannie nous trouvera toujours sur sa route. Messieurs les monstres, les tyrans, les manipulateurs, regardez, vos montres bientôt sonnera votre heure. Qu'importe vos manigances, vous serez démasqués, en face de vous se dresse le visage de l'humanité. Vous nous dites agressifs, dénoncez nos attaques, mais elles n'ont rien de physique, pas comme vos coups de matraque. Jamais violents, nous sommes la volonté de partage, un monde où l'on veut vivre libre et penser sans barrage. Nous sommes tous unis dans cette vision commune, d'une société où l'important n'est pas de faire fortune, où les droits de l'homme ne sont pas un mirage, et à travers laquelle nous pourrons tourner la page, sur cet abominable monde construit dans le sang, où la liberté n'existe que pour ceux qui ont l'argent, où vous tuez l'innovation voulant tout faire payer, alors que les choses les plus belles naissent dans la gratuité. À tous les soi-disant puissants, nous voyons vos faiblesses, vous qui vendez vos frères et tentez de les mettre en laisse. Vous essayerez sans fin de faire taire notre voix, mais ce sera en vain, jamais elle ne s'éteindra. Nous sommes les gens, nous sommes anonymous, défendant la liberté contre les fous qui la détruisent. Pas de bannière, pas de barrière et pas de doute, nous sommes en guerre, la tyrannie nous trouvera toujours sur sa route. À tous les soi-disant puissants, nous voyons vos faiblesses, vous qui vendez vos frères et tentez de les mettre en laisse. Vous essayerez sans fin de faire taire notre voix, mais ce sera en vain, jamais elle ne s'éteindra.